Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo de présentation de jeu. Et un jeu, je suis à peu près sûr et certain que vous allez l'adorer, que vous craquerez dessus, surtout quand je vais vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup et qu'il va falloir vous dépêcher. On va quand même faire monter un petit peu le suspense, hein. Alors, de quel jeu je pourrais vous parler? Parce que peut-être que la miniature de la vidéo ne vous a pas forcément parlé. Oui, forcément, puisque c'est un jeu qui est un petit peu sorti comme ça en catimini, en secret. Il faut vraiment fouiner pour le découvrir. Surtout que quand on connaît l'autrice, en théorie, on pourrait s'attendre à ce que le jeu soit mis en lumière. Mais là, pas du tout. Au contraire, il est secret. C'est ce qui le rend encore plus unique, je trouve. Si je vous dis Antoinette Charbonnel, est-ce que ça vous parle, hein? Ah, là tout de suite, ça vous parle, Antoinette Charbonnel. Bah oui, ça vous parle, évidemment que ça vous parle. Si je vous dis l'oracle Lumière, le tout premier de sa collection, suivi tout de suite derrière par l'oracle du petit enchanteur, que je ne vous présente plus, vous m'avez vu l'utiliser régulièrement, il fait partie de mes fétiches. Et plus dernièrement, avec l'oracle de la magie forestière, dont elle a été l'illustratrice pour ce jeu. Ces trois ont été parus aux éditions Arcana Sacra. Je pense qu'on ne présente plus Arcana Sacra. Si vous connaissez, vous savez qui ils sont. Si vous ne savez pas, franchement, faites quelque chose, hein, parce que ça veut dire que vous vivez au fin fond d'une grotte qui a un problème, parce que c'est pas possible que vous ne connaissiez pas Arcana Sacra. Eh bien, Antoinette nous a réservé une petite surprise qui, lui, n'a pas été édité aux éditions Arcana Sacra, puisque elle l'a fait en auto-édition. Elle a fait 150 exemplaires de base, et moi quand je l'ai découvert, je l'ai vraiment découvert par hasard, je l'ai découvert sur son compte Instagram. D'ailleurs, je vous invite à aller vous abonner au compte Instagram d'Antoinette, qui est vraiment une très gentille fille, qui est bourrée de talent, qui, moi j'adore son style graphique, en fait j'adore son coup de pinceau, j'adore sa façon de peindre et de dessiner, j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup son travail, et c'est pour ça qu'il me fallait ce jeu à tout prix. Impérativement. Donc comme d'habitude, je vous mets toutes les informations en barre d'infos, hein. Vous avez le titre et à côté vous avez soit un plus, ou une flèche, vous cliquez dessus, vous aurez une petite liste déroulante qui va s'afficher et dedans vous aurez le lien vers le site de Alliance Magique pour commander l'un des trois jeux ou les trois en même temps si vous voulez. Et puis je vous mettrai surtout le lien vers la boutique donc de Antoinette, que vous pouvez connaître peut-être sous le nom de La Fée Lumière, hein, ça parlera peut-être mieux à certains. Donc je vous mettrai le lien vers son site pour réserver ce jeu qui est en quantité ultra limitée, puisque moi quand je l'ai découvert, c'était donc sur son compte Instagram. Et là je vois des photos et puis je regardais les cartes, je me disais elles sont super sympas, c'est son prochain oracle, tout ça. Et puis en fait je comprenais pas ce que je disais parce que je voyais que c'était déjà sorti, c'était édité, enfin, je comprenais strictement rien. Donc du coup je vais vite voir sur le site d'Alliance Magique et là je ne vois pas le jeu en question. Et je le vois pas non plus dans les dates de parution. Je me dis bon, qu'est-ce que c'est cette affaire? C'est quoi cette histoire? vous sentez que je commence à être frustré de l'intérieur? Donc du coup je vais vite voir sur son site internet et là... Et là, quel coup de peau, je vous promets les amis, puisque Antoinette avait réalisé des précommandes qui s'arrêtaient, écoutez bien, le jour même. C'est-à-dire que lorsque je suis allé sur son site, les précommandes se terminaient ce jour même à 20h précises. Donc je contacte, vous savez qui, je lui parle de l'idée et je lui dis pourquoi pas en prendre 3-4 d'avance, comme ça, et bien potentiellement on pourrait le proposer pour ceux qui le voudraient, etc. Et moi, ben normalement mon exemplaire
d'ailleurs aurait dû être inclus dans la commande que vous savez qui avait passé, sauf que comme vous le savez, avec vous savez qui, les choses se sont terminées, hein, on va pas revenir là-dessus. Donc ce qui fait que je n'avais plus mon exemplaire de côté, mais les précommandes étaient terminées, donc vous sentez là ma frustration qui était encore plus importante. Donc complètement désespéré, je contacte Antoinette en lui disant: Antoinette, à tout par hasard, est-ce que tu aurais quelques jeux en stock ou toutes les précommandes, c'est tout parti, il n'y a plus rien et puis je vais l'avoir dans l'os? Et là, très gentiment, Antoinette donc m'a dit qu'elle avait un petit, mais vraiment un tout petit stock. Alors attention, au moment où j'enregistre la vidéo, il faut savoir que lorsque j'ai discuté avec Antoinette, ça remonte il y a 2-3 jours. Et à ce moment-là, elle m'avait dit qu'il lui restait environ une quarantaine de jeux. Mais à mon avis, il y a de fortes chances pour qu'aujourd'hui, il doit en rester peut-être 35, voire 30, peut-être moins même. Et si jamais vous regardez la vidéo la semaine prochaine ou dans 2 semaines, il y en aura peut-être plus du tout. Hein. Donc pour ça, ne tardez vraiment pas si vous le voulez. Vraiment, ne tardez pas les amis. Hein. Sachant que si jamais vous passez à côté, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Enfin, si, un peu, parce que si vous êtes passionné comme moi, ça va vous frustrer, vous dormirez plus jamais, ça va flinguer votre vie. Non, blague à part. Blague à part, Antoinette a prévu de faire une réédition, mais pas avant l'été de cette année. Donc, ce qui fait que il faudra patienter quelques mois avant que le jeu soit de nouveau disponible. Hein. Donc, c'est pour ça, si vous le voulez, ne tardez pas, les amis. Allez, sans plus tarder, maintenant, je vais vous montrer ce petit bijou qui est une vraie petite pépite, sincèrement. Il est trop beau. Comme diraient les Anglais, il est so cute. Allez, il s'agit de l'oracle de la présence animale et ancestrale. Donc, comme je l'ai dit, c'est un jeu qui a été auto-édité par les soins d'Antoinette. On est sur vraiment une très belle qualité. En plus, j'ai beaucoup apprécié quand j'ai reçu le jeu parce qu'Antoinette l'avait emballé comme un cadeau de Noël dans du papier de soie. J'ai tout gardé. J'ai essayé de découper bien proprement pour garder le papier de soie. Je sais. Mais en même temps, vous faites tous pareil. Si, avouez-le, combien d'entre vous, mettez-le moi en commentaire, combien d'entre vous, vous gardez les emballages cadeaux, etc., vous gardez tout. Hein. Je suis sûr que je ne dois pas être le seul à être comme ça. Sauf que moi, ça commence à poser problème parce que j'ai des armoires qui sont pleines à craquer de papier, de machin, de trucs que je pourrais jeter pour gagner de la place. Mais non, ça a une valeur sentimentale, donc je les garde. Et donc il y avait une petite enveloppe avec une petite carte et tout, vraiment rien qu'en ouvrant, en fait, quand j'ai fait l'unboxing, on sentait toute la bienveillance, la gentillesse, puis on voit qu'Antoinette, du coup, elle y a mis son cœur, qu'elle a consacré du temps à emballer, hein, parce que ça prend du temps, n'empêche d'emballer, en plus elle a super bien emballé ça, donc je peux vous dire que ça prend du temps, et on sent juste avec ça, eh bien, qu'elle y a vraiment mis du temps, et ça m'a touché, tellement, le paquet était tellement joli que j'avais pas envie de le déballer, je me suis dit, oh, c'est bon, je vais le mettre comme ça, puis ça ira très bien, puis je me suis dit, non, mince, quand même, le flic, je vais découvrir les cartes. Donc je l'ai déballé, mais je crois que ce qui serait mieux, ce serait que vous le voyez, hein, on est d'accord, des images valent beaucoup mieux que des mots. Allez, à tout de suite. Et voici donc le petit bijou de l'oracle de la présence animale et ancestrale. Là, vous pouvez lire 2.0, oui, puisque j'ai envie de vous dire, c'est la version plus mieux bien de ce jeu. Hein. Ça veut dire que 2.0, il y a eu une version ultérieure, et puis qu'entre-temps, eh bien, Antoinette a rajouté des choses, fait des modifications, etc. Donc là, ce qui fait que le jeu que vous commanderez sur son site, c'est la version 2.0. Je le rappelle, même si je viens de le dire en début de vidéo, il n'y a pas beaucoup de stock, hein. Comme je vous ai dit, Antoinette m'a dit 40 exemplaires au moment où elle me l'a dit, mais ça fait déjà quelques jours, donc il est possible qu'aujourd'hui on soit à 35, 30, voire moins. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez un coup de cœur pour ce jeu, n'hésitez pas. Alors, comment est-ce qu'il se présente? Eh bien, il se présente dans une petite boîte cloche, enfin petite, tout est relatif, hein, parce que le jeu quand même est assez gros, on est sur 8 cm par 8 cm. Ceux qui adorent les formats carrés, eh bien, vous serez ravis, puisque là, pour le coup, il est parfait. Donc, petite boîte cloche comme ceci, regardez, je vais vous montrer le dos qui est super beau, on a ce petit papillon dans cette sorte de mandala avec ces petites taches de peinture aquarelle. C'est vraiment magnifique. Regardez, sur le côté, on a une petite feuille de fougère. C'est vraiment propre, c'est super bien fait. J'adore, vraiment, j'adore. Allez, on va ouvrir ça. Donc, en termes de qualité, on est vraiment sur de la bonne qualité. Regardez, je vais vous faire de l'ASMR.
On est sur une bonne épaisseur de cartonnage. Les cartes sont également de très bonne qualité. Regardez l'intérieur du coffret, tout ce qu'il y a quand même. Antoinette se moque vraiment pas de nous. On va avoir donc les cartes. On va avoir, c'est même pas un guidebook, parce que regardez, il est petit. Vous connaissez l'expression petit mais costaud? Bah c'est, je pense, ce qui qualifierait le mieux ce petit guidebook. Puisque effectivement, oui, il est petit puisqu'il est au format des cartes, mais visez un petit peu l'épaisseur. C'est carrément un livre où on va avoir le détail de chaque carte et on est sur de la jolie finition de papier. Hein, on est sur du papier glacé, impression couleur. Donc c'est certes un petit guidebook, mais un petit guidebook qui est fort appréciable. Mais je vais pas tout vous spoiler, c'est juste pour vous donner envie, hein. Vous allez avoir, Antoinette vous a mis donc ces petites cartes pour la contacter. Elle est sur Facebook, elle est sur Instagram, elle a donc son site internet. Comme je vous l'ai dit, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. À l'intérieur, on va retrouver donc ici une petite carte dédicacée avec un petit merci. Là, elle nous a mis un petit... alors, c'est pour moi, je sais pas, peut-être que Antoinette, soit elle choisit, soit elle prend au hasard, je sais pas. Donc moi, on va dire que c'est peut-être le hasard ou pas, j'en sais rien. J'ai envie de dire que c'est pas un hasard parce que la petite phrase qui a là, ça me fait sourire surtout par rapport à tout ce que j'ai vécu ces derniers temps. Puisque la petite phrase nous dit « J'observe et je prends conscience ». Et honnêtement, l'œil dans le noir qui observe, hein, ça tombe quand même assez bien sous le sens. Donc j'ai envie d'y voir un petit signe à travers cette carte. Regardez le dos de cette carte. J'adore, vous comprenez bien pourquoi j'adore. D'ailleurs, je me suis amusé sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram et sur Facebook, à faire, sur le visage d'Angel, j'ai mis donc la moitié de la carte, et l'autre, c'est le visage d'Angel. D'ailleurs, je tiens à vous dire que ça a été folklorique, parce que Angel, visiblement, n'était pas du tout coopérative pour faire cette photo. J'ai dû la refaire au moins une quarantaine de fois pour avoir un truc à peu près potable. Donc juste pour l'effort que j'ai fourni et pour saluer Angel du travail qu'elle a fourni également pour son shooting, hein, n'hésitez pas à aller mettre un petit like sous la photo. En plus du guidebook, on va retrouver des petites cartes avec les mots-clés. Chose très très appréciable, c'est qu'on va avoir version française et version anglaise. Donc du coup, en plus, il y a un aspect bilingue qui est quand même vraiment intéressant. Et on va retrouver donc, comme vous l'aurez compris... L'oracle de la présence animale, c'est un jeu qui va être sur la thématique animale. Mais pas que, on va aussi avoir du végétal, on va avoir des plantes. Et on va retrouver eh bien, le coup de crayon tellement typique d'Antoinette que j'aime tellement. Hein. C'est pour le coup, voilà, si vous avez un de ces trois jeux, celui-ci, il ne déroge pas à la règle. Et j'ai même envie de dire qu'il a, je sais pas, il a un petit quelque chose du fait qu'Antoinette, elle l'a auto-édité. Et qu'en plus, elle l'a fait seulement en 150 exemplaires, même si elle en refait cet été, qu'elle refait de nouveau 150 exemplaires, ça fait quand même que 300 jeux qui seront sortis, donc il y a cet aspect un petit peu exceptionnel, un peu unique, un peu, je sais pas, un peu magique, comme si, voilà, comme si on avait vraiment la chance d'avoir un petit trésor entre ses mains, et honnêtement, quand on voit le jeu, on a effectivement un petit trésor entre les mains. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer plus en détail les cartes. Nous avons au total 57 cartes sur ce jeu et comme je vous le disais, donc on est sur un format carré, les cartes sont pas trop épaisses, donc ce qui fait que si jamais vous avez des petites mains, honnêtement je trouve que le jeu il se prend bien en main. Après moi j'ai pas spécialement des grandes paluches, hein, et honnêtement non, le jeu il est bien, donc si jamais vous avez des petites mains je vous le recommande parce que il est parfait, il se prend vraiment bien en main. On est sur une tranche brute, tranche blanche. Mais j'ai envie de dire que là, une tranche dorée ou argentée serait... Non, ça aurait pas été. Ça aurait fait trop bling bling ou je sais pas... vous le savez, hein, les tranches dorées et moi, je trouve pas toujours ça joli sur les jeux. Parfois, ça les finit bien, ça leur apporte une plus-value. Mais il y en a d'autres et celui-ci, ça n'aurait vraiment pas été. Puisque regardez, on va avoir en fait... une tache de peinture d'aquarelle, hein, avec le dessin de l'animal ou du végétal. On va retrouver des petits mandalas, le numéro de la carte. On va retrouver ici une petite phrase clé pour interpréter la carte. Et puis j'ai envie de dire que ce jeu il est vraiment intuitif. Mais ça je vais y revenir après. C'était juste pour vous dire que vous voyez ici on a quand même beaucoup de blanc et honnêtement du coup eh ben le fait d'avoir les tranches qui sont brutes c'est plus logique, c'est plus cohérent que si on avait eu une dorure, ben je trouve ça aurait cassé le jeu, je sais pas, enfin personnellement ça m'aurait pas plu, ça aurait un peu cassé le jeu. En termes de finition,
On est un petit peu sur du toucher peau de pêche, mais alors vraiment léger quand même, hein, puisque comme vous pouvez le voir, regardez, ça ne brille pas, donc on est plutôt sur une finition mate. Et on a un très léger, alors ce serait pas peau de pêche, qu'est-ce qu'on pourrait dire, peau d'abricot, ça marche? Allez, ouais, peau d'abricot, parce qu'on sent quand même qu'il y a ce toucher velours. Mais vous savez, parfois, on peut avoir un toucher peau de pêche, mais ça empêche que les cartes glissent. Et regardez, là, quand même, elles glissent relativement bien. On peut bien les mélanger. Donc, c'est pas la peau de pêche, vous savez, qui vraiment qui râpe, qui accroche les cartes. Hein, c'est vraiment juste une jolie finition. Regardez le dos. On va avoir une très belle aquarelle avec pareil un mandala, mais en fait c'est pas un mandala, je sais pas si vous allez voir, ce sont plein de petites fleurs entrelacées et qui forment une rosace avec un petit hérisson tout mignon dans son petit cocon végétal. Comme ça on est sur des couleurs très douces, on est plutôt sur des couleurs pastel, on est dans l'univers d'Antoinette Charbonnel. Franchement, si vous aimez son talent, si vous aimez ce qu'elle fait et son travail, vous ne pouvez qu'aimer ce jeu. Mais je me tais maintenant et je vais vous laisser découvrir et apprécier chaque carte et on se retrouve après. Voilà mes chers amis pour la découverte de ce vraiment magnifique oracle de la présence animale et ancestrale de Antoinette Charbonnel. J'espère vraiment que je vous ai partagé aussi ce coup de cœur parce que je trouve ce jeu tellement beau, tellement magique, tellement plein de tendresse, plein de bienveillance. Et puis je trouve qu'il colle tellement bien. C'est vrai que les oracles,
Il y en a certains qui existent hein, sur les animaux, mais en fin de compte, pas tant que ça. Vraiment pas tant que ça. Et très souvent, c'est soit animal, soit végétal, mais à ma connaissance, il y a très 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 peu de jeux qui vous proposent à la fois animaux et végétaux. Et là, pour le coup, on va retrouver eh bien les deux. Et je trouve que c'est un merveilleux outil de guidance. Mais en plus de la guidance, vous allez vraiment pouvoir faire un travail d'introspection. C'est, j'ai envie de dire, le type d'oracle qu'il vous faut quand vous avez besoin d'un message clair, en fait, de quelque chose de compréhensible. Il n'y a pas besoin d'interpréter, de se prendre la tête, de réfléchir à comment, comme ci, comme ça. Non. Là, vous lisez tout simplement la phrase qu'il y a sur la carte. En plus, l'animal. Il suffit que vous ayez une certaine attirance ou une certaine affinité avec cet animal-là pour que tout de suite ça vous parle et que vous puissiez extrapoler la phrase de la carte et que ça puisse vibrer avec vous. Je trouve vraiment que c'est un bel outil qui peut vous accompagner et qui viendra comme ça, eh bien, vous apporter plein de rondeur et plein de douceur. Je vous propose bien évidemment de, eh bien, se tirer une petite carte, hein, et puis on verra le message qui va se présenter. On va même s'en faire deux. Allez, on va se faire deux cartes. Comme vous pouvez le voir, malgré le toucher velours des cartes, elles se brassent très très bien, hein, elles glissent très bien entre elles. En termes d'épaisseur, c'est ce qu'il faut. C'est ni trop épais, ni trop fin. Regardez, je vous montre une carte. Elles sont vraiment, vous voyez, à la fois souples et rigides. Non, elles sont vraiment bien. Allez, on y va, on se coupe le jeu. Et la première, c'est Lilang Ilang. Attendez que je dise pas de bêtises. Oui, Lilang Ilang, qui nous dit « Je t'aide à combattre la dépression ». Regardez les amis, ce qui veut dire qu'en ce moment, il est possible que vous n'alliez pas très bien ou que vous ayez le moral qui soit un petit peu dans les chaussettes. Et c'est normal, après ce qu'on a vécu hein, entre les confinements, etc. On nous confine, on nous déconfine, on ne sait pas trop, l'avenir est quand même assez, assez incertain. On ne sait pas trop où est-ce qu'on avance. Donc effectivement, c'est quand même compliqué d'avoir un moral qui soit stable, alors que nos vies elles-mêmes ne le sont pas. Hein. On vit dans une instabilité permanente. Peut-être que certains d'entre vous traversent certaines tempêtes en ce moment. Hein, donc sachez déjà que je compatis complètement avec vous. Mais voilà, peut-être que certains d'entre vous traversent certaines difficultés, certaines tempêtes, et vous commencez à sentir votre morale qui vraiment part en lambeaux. Vous avez du mal à chaque nouvelle difficulté, vous avez à peine le temps d'en terminer une, que vous en avez une autre qui vient se rajouter, etc. Et au final, vous vous retrouvez comme ça à crouler sous le poids des difficultés. Et à ne pas voir le bout du tunnel. Eh bien, Lilang Ilang vous dit « Je t'aide à combattre la dépression », ce qui veut dire que autour de vous, vous pourriez avoir quelqu'un qui peut vous aider, quelqu'un de physique hein, qui pourrait vous aider, eh bien, à vous remonter le moral, à vous faire sortir. En plus, on devrait normalement avoir le beau temps qui devrait arriver dans, je l'espère, pas très longtemps. Hein. Mais on va pouvoir également ressortir, réavoir certaines activités. Donc, c'est peut-être le moment, eh bien, de vous reprendre en main hein, si vous n'avez pas de personne qui peuvent vous aider. Vous êtes votre propre aide, ne l'oubliez jamais. Vous n'avez besoin de personne pour vivre, que ce soit très clair. Donc n'attendez pas que Pierre-Paul Jacques vous tende la main ou autre. Non, c'est aussi à vous de vous prendre en main et le meilleur moyen de lutter contre ce moral et contre cette dépression qui pourrait arriver, eh bien c'est vous-même en bougeant, en sortant, en ayant des activités, en faisant des choses, en vous occupant l'esprit. Et puis Ylang Ylang, blague à part, vous pouvez aussi l'utiliser en huile essentielle. Vous pouvez utiliser la fleur aussi, hein, puisque effectivement elle a des vertus. Ben, rien que l'odeur d'Ylang Ylang, je pense que vous connaissez assez bien cette odeur puisque c'est une odeur qu'on retrouve beaucoup dans les huiles de bronzage ou les crèmes solaires. Donc tout de suite, la crème solaire, ça fait penser aux vacances, à la plage, à la mer, et tout de suite, boum, ça redonne le moral. Donc effectivement, juste le parfum d'Ylang Ylang, si vous l'associez comme moi par exemple aux vacances, hein, avec les huiles bronzantes, etc., eh bien tout de suite, ça va vous redonner la pêche. Mais l'huile essentielle d'Ylang Ylang, vous pouvez aussi l'utiliser en massage. Alors attention, je rappelle que les huiles essentielles ne sont pas toutes bonnes et qu'il faut faire attention, hein, pour les enfants en bas âge et les femmes enceintes, les huiles essentielles sont proscrite et une huile essentielle ne s'utilise jamais pure, vous la diluez toujours dans une huile végétale. Donc une huile végétale, c'est une huile d'olive, une huile d'amande douce, ce que vous voulez, hein, ça ne se consomme jamais pure, sinon vous allez vous brûler la peau.
et brûler l'intérieur si jamais vous les consommez. Hein. Attention, là aussi, on ne consomme pas n'importe quoi et dans n'importe quelle dose. Mais effectivement, l'ylang ylang va aussi avoir des vertus comme ça, antidépressives, qui vont un petit peu booster comme ça votre morale et pouvoir vous sentir mieux. Allez, je vais remélanger un petit coup. Attendez, non, on va rien mélanger, puisqu'on a une autre carte qui vient de sortir. On en a même eu deux. Écoutez les amis, on en a eu deux, donc du coup, on va les prendre toutes les deux. Alors la première qui s'est retournée, c'est la grenouille qui nous dit « J'apprends à rebondir ». Et oui les amis, c'est logique avec la dépression. Forcément, si en ce moment vous êtes un petit peu dans une phase difficile, si vous traversez certaines tempêtes, eh bien, rappelez-vous quelque chose, c'est que après chaque orage, le ciel bleu finit toujours par revenir. Hein, même une tornade, un cyclone, n'importe quoi. Une tempête qui durerait des jours, voire des semaines. C'est pas grave les amis, puisque le ciel bleu finira toujours par revenir, le soleil finira toujours par repointer son nez. Donc essayez de garder ça en tête. Si en ce moment vous êtes dans le creux de la vague, ce n'est pas grave les amis, vous allez rebondir. Ou alors trouver une solution pour rebondir, tirer des leçons de ce que vous avez vécu, tirer un enseignement. Et puis vous-même, vous avez des ressources, donc à vous de bien les employer, à vous de bien les utiliser, qui vous permettront de rebondir. Et ensuite, nous avons la carte du petit raton laveur qui nous dit « Je tombe le masque ». Et ça, c'est très intéressant aussi, les amis. Alors, ça pourrait nous parler d'une forme d'hypocrisie. Effectivement, peut-être. Bon, moi, j'y vois un certain message, mais... je tombe le masque, c'est surtout, moi ça me fait penser au sourire en fait. Ne vous forcez pas à sourire, ne vous forcez pas à être quelqu'un que vous n'avez pas envie d'être. C'est-à-dire que si en ce moment vous n'allez pas bien, si en ce moment vous n'avez pas envie de sourire, si vous avez envie de dire non au lieu de dire oui, si vous en avez marre de faire les choses juste pour faire plaisir aux autres, etc., etc., dites non. Tout simplement. Et arrêtez de faire semblant. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Et on est tous humains, hein. Moi le premier, vous le savez bien. On est tous humains et se forcer à sourire parce que de toute façon, si vous arrivez au boulot le matin et que vous avez vos collègues qui vous disent « Tiens, bonjour, salut, ça va ?» et spontanément, on répond quoi? On dit « Oui, ça va ?» alors que au fond de soi, on sait que non, ça ne va pas. Mais on sait très bien que si on dit « Bah non, ça ne va pas », soit la personne en face de vous s'en fiche complètement de savoir que ça ne va pas, ou alors elle va faire semblant de s'intéresser à vous. « Ah bon, vas-y, raconte, mais n'hésite pas, hein, je suis là pour toi. » blablabla, hein, je pense que vous connaissez bien le discours là aussi, et faire attention parce que certaines personnes peuvent aussi utiliser votre mal-être contre vous, hein, jouer de faux amis, de fausses personnes, etc. pour extraire un maximum d'informations, et puis quand vous êtes bien à terre, on finit d'en rajouter pour vous mettre encore plus bas que terre, voyez ? Donc il y a un moment donné où, non, stop, vous avez le droit de ne pas aller bien, vous avez le droit aussi de le dire, et vous avez surtout le droit de dire, je ne vais pas bien, mais c'est bon, c'est pas parce que je vais pas bien en ce moment que je vais étaler ma vie, que je vais en parler, que si, que ça, non. Et n'oubliez pas, j'apprends à rebondir, donc oui, je ne vais pas bien en ce moment, oui, je vais essayer de tirer des leçons, oui, je vais combattre cette forme de dépression qui est en train de m'envahir, oui, le ciel bleu revient derrière les tempêtes, mais je tombe le masque, j'ai pas envie de sourire, donc je ne me forcerai pas à sourire, je n'ai pas envie de jouer un rôle que je ne suis pas, je me montre tel que je suis, ça te plaît, c'est bien, ça te plaît pas, c'est pareil, c'est à prendre ou à laisser, mais dans tous les cas, ce que vous vivez à l'heure actuelle, c'est vraiment à vous de le vivre, et c'est personnel, et c'est vraiment uniquement propre à vous, et vous avez également les ressources et les moyens de pouvoir combattre tout ça. Voilà donc mes chers amis pour cette review de l'oracle de la présence animale et ancestrale de notre belle Antoinette Charbonnel. J'espère vraiment que vous aurez craqué sur ce jeu, hein, je vous le souhaite, et comme je vous l'ai dit et redit, surtout si vous voulez ce jeu, n'attendez pas, il n'y a pas beaucoup de stock, sinon vous serez puni, vous devrez attendre plusieurs mois avant de pouvoir le reprécommander. Donc surtout n'attendez pas si vous le voulez également, c'est un très joli jeu, moi qui adore la nature et les animaux. Dans ce jeu en fait, j'ai vraiment trouvé ce qui me plaisait, à la fois ce côté doux, ce côté rassurant, et puis il se mélange à la fois des végétaux et des animaux. C'est vraiment un très bel outil. Honnêtement, je ne peux que vous le recommander vivement. Allez, sur ce, moi, je vous embrasse fort et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos de présentation. Gros bisous à tous.